Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, excusez-moi pour les ongles parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais bon, je le ferai après. Voilà, c'est pas le plus important. Hein. Là, le plus important, ce sont les messages que je vais faire passer. Donc, je m'excuse d'avance. Alors, message de Maman Marie. Qu'est-ce qu'on a ? Patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. Ok. Et le message de Jésus. Nous avons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Voilà. Et donc, on y va. On va utiliser aujourd'hui le 77 pour le côté général. Alors, on parle d'une fin. Une fin de quoi ? Youpla ! Une fin de quoi ? Une fin des doutes, de questionnements, doutes, quelque chose qui, ouais, qui vous prend un petit peu la tête, hein, j'entends. Quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. C'est la fin de tout cela. Effectivement, vous voyez, hein, j'ai bien la carte négative qui ressort ici et qui vous met dans tous vos états. Hein. Là, ça vous met dans tous vos états. Vous vous sentez vraiment pas bien du tout. Mais justement, c'est la fin de ça. Hein. C'est la fin de tout ça. C'est la fin d'un état négatif qui vous met dans des doutes, dans des questionnements. Peut-être même dans beaucoup de stress, beaucoup de nerfs comme ça. La fin ici de tout ce qui est bloqué, parce que la chance va être de votre côté, tout simplement. Et on vous dit bien oui. Vous voyez après la situation, comment elle devient positive. Et on a même des invitations, des rencontres, des sorties. En tout cas, c'est quelque chose de très positif juste après. Et l'énergie principale de toute la journée. Énergie principale, ok, on parle de engagement. Alors, signature, engagement, peut-être en ce qui concerne vos enfants, adolescents, il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou tout simplement votre enfant intérieur. C'est en rapport avec des documents. Ok, d'accord. On va vous donner des documents, des papiers, des choses comme ça que vous allez devoir signer par rapport à votre enfant ou adolescent. Là, c'est vraiment ce qui ressort. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Après, ça peut parler de votre enfant intérieur et vous allez recevoir justement des documents qui sont liés à quelque chose peut-être de votre enfance ou qui vous donne vraiment beaucoup de joie comme ça, comme un petit enfant. Mais c'est des documents qu'on vous donne. Vous recevez. Vous recevez cela et vous allez entendre quelque chose qui vous fera ok. Ouais, en fait, vous entendez quelque chose qui vous met dans un état d'esprit comme ça négatif de questionnement. Alors qu'en fait, vous ne voyez pas qu'il y a juste derrière l'abondance. Vous ne voyez pas que juste derrière, vous avez cette abondance, cette vague d'abondance qui est là. Et on vous parle même au niveau de l'argent ici, cette vague d'abondance. Donc ça peut être au niveau de l'argent, au niveau de... Parce que c'est en rapport avec des documents et tout. Hein. Donc c'est très positif. Il y a quelqu'un rempli de sagesse, ou très mature en tout cas, qui va vous redonner espoir. Qui va vous redonner espoir par rapport à cette situation ici qui vous stresse beaucoup. Sur la fin. Ah ouais, avec l'argent et les cadeaux. Et on a le rapprochement, réconciliation ici avec un homme ou une énergie en tout cas masculine. Ça peut être une femme d'énergie masculine ou un homme. On a ici la fin des doutes qui vous mène vers quelque chose de très positif au niveau financier ou matériel, financier, matériel, professionnel. Et on a un rapprochement ou une réconciliation avec une énergie masculine.
Et c'est vraiment le triomphe, que ce soit avec l'argent ou avec cet homme ou cette femme d'énergie masculine. Et c'est vraiment quelque chose, vous voyez, un équilibre ici qui était bloqué. Et vous allez retrouver cet équilibre suite à une rencontre ici très créative. Une rencontre qui va apporter beaucoup de richesse intérieure. Ça va vous apporter énormément. Ouais, c'est ça. Ici, vous voyez, c'est vraiment un projet qui... Il y a des ennuis par rapport à un nouveau départ, à un projet qui est bloqué. C'est un projet du passé, mais qui va vraiment... Voilà. Les choses vont revenir, en fait, à la normale, quelque part. Et même encore mieux que ça, parce qu'il y a la carte de l'illumination, il y a la carte dorée, qui est la carte la plus positive. Ouais, parce que vous allez vraiment retrouver... votre calme intérieur, votre bien-être. C'est pour ça. Du coup, la chance sera vraiment de votre côté. Vous allez avoir des appels, des communications, des appels, des messages qui vont être très positifs pour justement une sortie ou une rencontre. Et ça va vraiment vous ancrer, ça va vous faire beaucoup de bien. Ouais, ça va vous amener vers une nouvelle direction qui est beaucoup plus sereine. Et surtout... avec des personnes ou une personne très sincère. Voilà, ici ce qui ressort au niveau général. Maintenant, on va aller un peu plus loin forcément avec le côté, on va dire, affectif. Hein. Côté affectif ou sentimental ou relationnel. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Litana de Vous à Moi qui maintenant a changé le nom de sa chaîne. Elle s'appelle Au Petit Bonheur, au petit bonheur, la chance d'y croire. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Voilà, mais c'est Litana de Vous à Moi et c'est la lumière de notre amour. Vous pouvez retrouver cet oracle dans Etsy aussi. Sur le, voilà, et il y a d'autres oracles également. Ok, donc c'est parti. Regardez, j'ai l'amour tout de suite en deux de deck. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Ah! Ça ressort déjà à quelqu'un qui en a marre, qui en a ras-le-bol et qui a envie vraiment d'une belle histoire, une nouvelle histoire, une belle histoire ici. Ça peut être vous, hein, peut-être que vous avez envie d'une nouvelle histoire, de totalement quelque chose de nouveau, vous voulez vivre voilà, une vie avec peut-être une personne totalement nouvelle ou alors tout simplement faire une nouvelle rencontre avec cette personne de cœur, on va voir. On a l'évolution, ouais, donc on parle quand même d'une très belle évolution ici. Se mettre à nu, ok. Et la détente. Alors, ici j'ai deux options. J'ai deux options. Attendez, je vais quand même rajouter une carte parce que je ne voudrais pas dire n'importe quoi ici sur la nouvelle histoire. On a l'automne. Et on a puissance et force. Ok, en fait, non. Il n'y a pas deux options. Ici, c'est clair. Je ne peux pas dire non. Ici, c'est clair. Ça parle de vous-même. Vous en avez marre. Vous en avez marre de cette situation. Vous en avez marre, peut-être, de ne pas avoir... Je ne sais pas, peut-être que vous vous dites « j'ai pas de chance en amour » ou « ça ne va jamais » ou... voilà. Bon, peu importe. Mais vous en avez marre. Et vous allez justement faire une nouvelle rencontre ici qui va vous apporter beaucoup de force, de bien-être. Une nouvelle histoire, vous voyez, avec l'automne, en fait, ça va vous permettre, puissance et force, ça va vous permettre cette nouvelle histoire, cette nouvelle rencontre. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer il n'y a pas très longtemps aussi, d'accord? Que vous n'êtes pas vraiment engagé. Mais on vous dit ici que cette personne va pouvoir vraiment vous aider à retirer toutes les choses négatives qui sont encore là en vous. Hein, un petit peu comme les feuilles mortes avec l'automne, on enlève tout ça, on balaye les feuilles mortes et c'est fini, on ouvre une nouvelle page avec beaucoup de force et de puissance, ce qui va faire que vous allez vraiment évoluer et vous mettre à nu et vous détendre aussi avec cette personne. En fait, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez pouvoir être vous-même et vous allez pouvoir vraiment retrouver un calme et un apaisement à l'intérieur de vous avec cette personne. Qui pour moi, c'est une nouvelle personne ou quelqu'un que vous avez rencontré il y a peut-être quelques semaines de cela. Alors, on parle de ras-le-bol et on parle de Gonzalian.
Alors, je vais voir pourquoi ici. Concrétisation, ouais. En fait, moi ici, ça parle aussi d'une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps, que vous allez rencontrer là, vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps, ou que vous allez rencontrer. C'est vraiment une nouvelle histoire, en fait, hein, qui arrive ou qui est déjà là, mais depuis pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Cette personne, elle en a marre, justement, d'être, enfin, ou de voir des personnes, voilà, des gonzalines, c'est-à-dire des personnes qui, en gros, des relations où, voilà, ça ne tient pas, quoi. Des relations d'un soir ou des relations qui ne durent pas, vous voyez. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager avec vous, parce que là, on a la concrétisation. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vraiment s'engager avec vous, parce qu'il en a marre de ces personnes, ces femmes ou hommes, hein, qui sont juste là pour vivre des histoires pas sérieuses. Voilà, c'est ça en fait, c'est simplement ça. Bon, j'espère que ça a été clair sur ce que je veux dire ici comme message. Regardez, être heureux, hein. Vous voyez, être heureux avec l'évolution, voilà. On vous dit bien que vous allez évoluer et vous allez vraiment voir, hein, ce côté clairvoyante. C'est comme si c'était destiné, en fait. Ce bonheur était destiné déjà depuis longtemps avec cette personne. Vous allez vous mettre à nu, vous allez vous sentir bien en mode ermite. En mode ermite, mais... Marius. En mode ermite, mais ensemble. En fait, vous allez vous isoler ensemble avec cette personne. Ça va vous faire du bien. Ça va vous amener beaucoup de détente. Alors ici, on parle d'attente, solitude. Ok, moi j'ai quelqu'un ici qui est seul, qui vous attend depuis un moment. Alors ça peut être une amie, un ami, ou ça peut être un ex, peu importe, mais c'est quelqu'un qui va vous écrire. Pendant que vous serez bien, ça va vous mettre en colère. Hein. Ça va vous mettre en colère parce que, je ne sais pas pourquoi ça va vous mettre en colère. Parce que c'est quelqu'un, ok, c'est quelqu'un qui va essayer de vous draguer. C'est quelqu'un qui va essayer de vous draguer, de tout faire pour que vous reveniez avec lui ou avec elle. Donc c'est un ex et c'est une ex, je pense. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que ça peut être la faute d'une amie, d'une ex-amie ou d'une amie ou d'un ami qui pourrait être un peu dans l'excès sur le fait d'essayer de vous remettre ensemble tous les deux. Ici, maintenant, ça parle du travail. On me dit ici que vous allez avoir beaucoup de travail. Ouais, vous allez avoir beaucoup de travail. Vous pensez beaucoup à des choses par rapport à votre travail, mais vous allez retrouver un équilibre dans votre travail. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité. Bon. Moi ici j'ai un homme, encore une fois, une énergie masculine, homme ou femme, qui va décider de laisser un endroit pour venir discuter avec vous de ses peurs. Ouais, il va s'ouvrir complètement par rapport à ses peurs. Il va vouloir vraiment vous parler, pour vraiment parler de ses peurs et de vous dire comme quoi, à cause des personnes autour de lui ou d'elle, eh bien il était complètement perdu. Du coup, ça l'a mis, ça a amené des conflits, des disputes avec vous, mais qu'aujourd'hui, ça y est, il ou elle va mieux, il va dans un nouveau chemin, un nouveau départ, il se sent mieux, tout simplement, quoi. Et qu'il a été trop dans une énergie de lenteur parce qu'on jouait avec lui, etc., ou avec elle, hein, les personnes autour. Et du coup, il a mis beaucoup de temps à réaliser qu'en fait, avec vous, c'était un réel amour. Et à cause des personnes autour, hein, qui lui ont mis beaucoup de peur, ça a créé cette lenteur entre vous, avant qu'il vienne vers vous. Mais vous, vous allez être, pour moi, vous allez être vers une nouvelle relation. Mais cette personne, elle ne va pas lâcher l'affaire.
Elle va pas lâcher l'affaire. Elle va comprendre que oui, elle a pollué votre histoire, qu'elle a vraiment détruit et tout gâché. Mais elle va décider vraiment, elle va essayer en gros, elle va pas lâcher l'affaire, quoi. Elle va vraiment essayer de vous faire même une déclaration et tout ça, jusqu'à ce que vous dites oui. Jusqu'à ce que vous dites oui. Mais vous, ça va vous causer un petit peu des problèmes. Ça va vous poser. Ouais. En fait, ça va vous mettre des problèmes là où il n'y en a pas, quoi. Parce que vous allez vraiment démarrer une nouvelle relation et cette personne, elle va toujours observer, elle va toujours être là. Vous allez rester toujours méfiante par rapport à ça, à cette personne en plus. Ouais. Vous allez rester méfiante par rapport à cette personne et vous allez décider de toute façon de laisser tomber quelque part cette personne-là pour vivre cette nouvelle histoire. Hein. Ouais. Vous allez décider de vous isoler ensemble, mais seul, pour un nouveau départ. Vous allez comprendre en fait que vous devez vraiment, pour un nouveau départ, vous vous isoler, quoi. Puis là, bah, ça sera très chaud. Hein. Et vous serez très à l'aise. Hein. Là, vraiment, au niveau de la relation intime avec cette nouvelle personne qui vient vers vous ou que vous avez peut-être déjà dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentirez très à l'aise, même dans la relation intime, en fait. Et vous allez vous isoler à deux. Et je pense que vous allez décider vraiment hein, de ne rien dire à personne et de vivre votre relation en mettant les gens, tout ça, loin, quoi. Vous voyez? Je vais prendre quelques petits messages quand même avec l'oracle, enfin pardon, le tarot histoire de sorcière. Ouais, on voit ici que vous vous êtes pris beaucoup la tête par rapport à un souci financier, matériel. Mais vous faites le choix, vous allez faire le choix avec votre cœur malgré tout, pour vraiment suivre vos passions malgré vos peurs, malgré quelques peurs, quelques doutes. Vous allez suivre votre cœur, votre passion, en fait, ce que vous aimez vraiment, même s'il y a un déséquilibre au niveau financier et que vraiment ça vous fait peur. Ouais, c'est très lourd pour vous. C'est très lourd pour vous. Ici, on voit que c'est très très lourd. Hein. C'est, ouais. Mais il y a quelque chose là qui arrive rapidement. C'est une opportunité. Il y a quelque chose qui sera une opportunité ici pour vous par rapport à votre passion et qui vous amènera beaucoup d'équilibre. Et vous allez pouvoir laisser derrière vous cette énergie qui a été vraiment lourde et difficile. Vous allez mettre fin à cette énergie-là, en laissant peut-être même un endroit, peut-être que vous allez quitter un endroit ou une situation. Ok, c'est peut-être lié aussi à une relation amoureuse qui vous a fait beaucoup de mal ici. Je pense qu'en fait, vous avez mis beaucoup d'argent de côté. Vous aviez mis peut-être de l'argent de côté ou des choses comme ça dans le passé, mais vous avez eu que de la trahison, vous avez beaucoup souffert. Et c'est maintenant pourquoi, et c'est pourquoi, pardon, maintenant, vous êtes devenu hein, cette énergie de reine d'épée, hein, c'est-à-dire cette personne qui reste très méfiante ou méfiant vis-à-vis des autres. Pour ne pas vous faire encore avoir, en fait, surtout au niveau de financier. Peut-être qu'on a profité de vous, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, vous faites très attention et vous voyez clair hein, sur ce que vous voulez vraiment entreprendre par la suite. On a ici une énergie du passé. Un roi de bâton. Un roi de bâton ici qui
du passé hein, qui est en train de se décider à venir vers vous avec des peurs. Beaucoup de peur, mais surtout beaucoup d'illusions aussi. Hein, parce que cette personne croit que vous allez le reprendre ou la reprendre. Mais vous serez, pour moi, vous serez vraiment vers une nouvelle direction. C'est quelqu'un qui va vraiment vous dire que ça y est, il veut quelque chose de stable. Et c'est quelqu'un qui a mis du temps à venir vers vous aussi. Hein. Mais il ne va rien trouver là. Il vous aura perdu. Il vous aura perdu parce que, non, j'ai le 5 de denier et le 7 de bâton. Et malgré le fait que vous allez dire que, bah non, hein, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien entre vous, vous n'allez pas l'accepter ici. Malgré cela, il va se battre. Il ou elle va se battre. Vous voyez ? Il va se battre. Et il va essayer de jouer avec son intelligence émotionnelle pour vous convaincre, pour vous convaincre ici, et pour que vous puissiez vraiment couper avec l'énergie de regret, c'est-à-dire le regret d'avoir été par exemple avec lui ou de lui avoir fait confiance, lui ou elle. Il va essayer de tout faire en fait pour vous convaincre. Mais vous serez vers un nouveau départ. Il y a vraiment une résurrection, un renouveau. Vous ne serez plus du tout le ou la même personne. Ah ouais. Vous voyez, vous allez vraiment vers le 10 de demi. Hein. Vous serez vraiment parti vers ce renouveau ici qui vous mène vers une stabilité ici, vers un foyer. Et on a l'ermite. Hein. Donc vous allez vraiment vous isoler par rapport à cette personne parce que vous êtes sûr de ce que vous voulez. Hein. Vous allez être sûr de ce que vous voulez. Parce que vous avez énormément souffert en amour à cause de cette personne. Et encore aujourd'hui, vous avez parfois des angoisses qui peuvent ressurgir par rapport à cette nouvelle relation, cette autre relation-là. Et donc, vous vous réfugiez plus dans le côté financier ou professionnel pour essayer un petit peu d'oublier d'y arriver, quoi. Ouais. Et ça va vous apporter beaucoup de guérison hein, et beaucoup de stabilité au niveau amoureux. Vous voyez, vous allez vraiment aller vers un couple uni et heureux hein, malgré vos peurs. Mais vous allez vous libérer de vos peurs. Et l'autre personne, ça sera complètement anéanti, l'autre personne, hein, l'ex. Ouais, il ne sera pas bien du tout, hein, il ou elle. Hein. Ah ouais, et puis il sera beaucoup dans la jalousie. Il aura beaucoup de jalousie parce qu'il y aura toujours de l'amour pour vous, mais... Voilà, c'est vous avez choisi ce chemin. Vous allez choisir ce chemin ici. Vous allez choisir ce chemin et vous allez être sûr du chemin que vous voulez prendre. Et ça va vous mener hein, vraiment vers un couple stable, vers vraiment un bonheur. Tout simplement. Donc, ouais. Voilà les belles âmes. N'hésitez pas en tout cas si vous le souhaitez, hein, dans le site internet il y a encore les cœurs en quartz rose qui apportent beaucoup d'amour, ainsi que les cristaux. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site juste en description. Vous avez aussi des nouveaux petits bracelets en acier inoxydable qui sont magnifiques, avec les pierres précieuses véritables qui sont aussi sur l'autre site internet. Que mon frère utilise avec aussi des bagues en argent 925. Là, je les ai pas sur moi, mais elles sont magnifiques également. Avec aussi quartz rose, labradorite. Vous avez plusieurs choix de cristaux. Et vous avez aussi le site internet pour les soins et pour les guidances privées. Vous pouvez aller voir donc soit Litana de vous à moi que je vous ai montré avec son oracle. Hein, donc au petit bonheur, la chance d'y croire. Maintenant, elle a changé de chaîne, enfin le nom de la chaîne. Et mon frère aussi, Amé Descartes, qui fait aussi des guidances privées. Amé Descartes, voilà. Donc je vais terminer avec le message de Maman Marie de Medjugorje. Et juste après, je vous montrerai les petits bracelets pour ceux et celles qui le souhaitent. Les nouveaux petits bracelets que mon frère a fabriqués avec les cristaux. Vous allez voir, ça avec des petits cœurs et tout, c'est super joli. Voilà, je vais vous donner le petit message de Maman Marie et j'irai chercher les petits bracelets très très vite. Voilà, allez, c'est parti. 25 mai 2001. Cher enfant, en ce temps de grâce, je vous appelle à la prière. Petits enfants, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Bénissez
et cherchez la sagesse de l'Esprit Saint pour qu'il vous guide en ce temps, afin que vous compreniez et viviez dans la grâce de ce temps. Convertissez-vous, petits enfants, et agenouillez-vous dans le silence de votre cœur. Mettez Dieu au centre de votre être, afin qu'ainsi vous puissiez témoigner dans la joie des beautés que Dieu donne sans cesse dans votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est un message magnifique. Oui, toujours mettre Dieu dans notre travail, dans ce que l'on fait, c'est vrai. Parce que parfois, on peut un petit peu oublier et se dire « mince, mais pourquoi j'y arrive pas ?» ou « pourquoi je suis si fatiguée ?» C'est parce qu'on oublie qu'il faut mettre Dieu toujours à la première place, en priorité. Et ensuite, le reste arrivera. Voilà. Comme dans notre vie, au quotidien, dans tout, même dans nos relations amoureuses. Voilà, c'est important. Voilà les belles âmes. Je vais aller maintenant chercher les petits bracelets pour ceux et celles qui désirent les voir. J'arrive tout de suite, je vais mettre pause, mais j'arrive tout de suite, justement. Voilà les belles âmes. Alors, les petits bracelets, vous voyez, hein, vont être envoyés dans les petits pochons. Alors, on va en prendre. Je vais vous les montrer tous, hein, mais on va déjà en prendre un. Donc, ça sera envoyé dans les petits pochons. Celui-ci en acier inoxydable. Les petites bagues, c'est dans leur petite boîte, hein, bien sûr, puisque c'est des bagues en argent 925. Alors, tenez, celle-ci, c'est l'améthyste. Et regardez, vous voyez, c'est des petits cœurs. Les petits cœurs. C'est très joli, hein, vraiment très, très, très joli. Et celle-ci, c'est en améthyste, hein, donc la pierre de l'ancrage, de la spiritualité, de l'amour aussi. Hein. Et justement, hein, voilà, j'ai mon améthyste ici, celle-ci qui est la moyenne, améthyste moyenne, donc du coup je vais les mettre ici, parce que oui, bien sûr, les améthystes rechargent les cristaux. Comme je vous dis, hein, les améthystes ainsi que les cœurs, les grands cœurs en quartz rose, sont dans mon site internet Etsy. Alors, surprise! Celui-ci, c'est le labradorite pour la protection aussi. Hein. Bien sûr, l'améthyste protège aussi beaucoup et amène beaucoup d'ondes positives. La labradorite, ça aide énormément pour tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif en fait. Hein. Ça permet d'absorber et de retirer le négatif aussi. Ça, c'est très très important aussi. Hein. Ensuite, nous avons celle-ci en oolite. J'arrive jamais à le dire. Oolite. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à voir les propriétés, les vertus. Hein. Tout est dans le poste en fait. Hein, n'hésitez pas à regarder pour les vertus de chaque pierre. Qui sont très intéressantes, ce sont des pierres véritables, hein. Il y a même le certificat d'authenticité dans le site que mon frère a mis, hein, sur le site mariaangearcange.com, hein. Je parle de ce site là puisque c'est celui que mon frère a et où il met tous ses produits. Donc celui-ci, c'est en quartz rose, comme les cœurs quartz rose, hein. Moi j'en ai un, mais il est tout petit depuis longtemps. Pour ceux qui me suivent déjà depuis des années, vous savez que j'ai toujours mon petit quartz rose en forme de cœur. Vous voyez, celui-là, il est petit. Hein. Mais ceux que j'ai reçus de mon grossiste et qui sont très bien aussi. Vous voyez, celle-ci, c'est la plus grande, de presque 2 kg. Et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 1,2 kg. Vous voyez, c'est des très grands cœurs qui sont magnifiques et aussi très très bien, puisqu'il y a aussi les certificats d'authenticité. Voilà. Donc, celui-ci, quartz rose, bien sûr, pierre de l'amour, je pense que vous connaissez, hein, pierre de l'amour, hein, qui attire l'amour à soi, mais pas que, puisque ça aide aussi à l'amour de soi, ce qui est très important, puisqu'il faut déjà s'aimer soi-même pour avoir une personne dans notre vie qui nous aime. Et nous avons, du coup, la turquoise, voilà, très belle aussi, j'aime beaucoup ce bleu aussi, comme ça, turquoise. Et voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à bien voir dans le poste. Vous allez voir que tout,
est inscrit au niveau des propriétés. Donc voilà les belles âmes. Et pour les rechargements, justement, vous pouvez recharger sur l'améthyste. Hein, voilà. Sur les améthystes, sur des géodes aussi en cristal. Bien sûr aussi, ça dépend après des cristaux, vous pouvez recharger au soleil, vous pouvez recharger à la pleine lune. Enfin voilà, après ça va dépendre évidemment de chacun des cristaux. Et voilà les petits pochons. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est marqué avec amour. En anglais. Voilà les belles âmes, c'est très joli. Vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est en acier inoxydable, hein, bien sûr. Acier inoxydable, vous savez que c'est beaucoup mieux, hein, puisque voilà, au niveau de l'eau, tout ça. Enfin voilà, c'est un produit qui dure beaucoup plus, qui ne rouille pas. Et donc voilà, vous pouvez faire un petit tour sur le site et regarder, puisque vous avez aussi d'autres bracelets, bien sûr. Ceux-là, c'est les nouveaux qui sont faits à la main. Hein. Donc voilà, tout est réalisé à la main là. Et vous avez aussi donc les bagues en argent 925 qui sont très très belles et qui sont en argent 925. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Dans leur petite boîte avec aussi labradorite, quartz rose. Enfin voilà, allez voir parce qu'il y en a plusieurs. Hein. C'est mon frère qui fait tout cela. C'est son site. Hein. Je le rappelle bien, hein, c'est son site internet. C'est là aussi où vous pouvez d'ailleurs prendre une guidance privée. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Merci beaucoup, les belles âmes. Et n'hésitez pas aussi à mettre ma boutique où il y a mes cristaux et puis bien sûr aussi mes oracles. En favori, vous pouvez la mettre en favori parce que vous pouvez recevoir par mail 5% de réduction. Mais sachez que tous les week-ends, je fais une petite réduction aussi pour voilà, vous permettre, si vous le souhaitez, de vous faire plaisir ou de faire plaisir à un proche. Ou, voilà. Si bien sûr ma boutique vous plaît, mais voilà, vous pouvez toujours me soutenir dans mon travail en mettant la boutique par exemple en favori, en partageant pour montrer aux autres personnes, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes à qui ça peut intéresser. Voilà, on est là pour s'entraider, on est là pour se soutenir. Donc voilà, merci infiniment d'ailleurs à toutes celles et ceux qui mettent des beaux commentaires, qui partagent mes vidéos, qui êtes là pour me soutenir, m'aider. Merci vraiment du fond du cœur aussi à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint également pour soutenir ma chaîne, puisque vous avez aussi le bouton rejoindre juste en dessous. Et voilà, ça c'est vraiment un petit truc en plus pour rejoindre la chaîne et pour voilà, c'est un petit abonnement que YouTube fait pour soutenir. Et voilà, merci en tout cas, merci du fond du cœur d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci pour tout votre amour. C'est important de le dire, voilà, que Dieu vous bénisse, que le divin vous protège, protège vos proches, surtout notre santé qui nous protège à tous, notre santé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, alléluia, prenez soin de vous les belles âmes, prenez soin de vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous à tous.